Ici Trophy et Kimoshi. Et bienvenue pour la suite de notre Let's Play Dreaming Sa. On dirait un show de David Copperfield. C'est la suite de ce Let's Play improvisé commun entre notre femme et moi, et nous allons replonger dans sa tête dérangée dans laquelle nous nous sommes arrêtés précédemment dans Yu-Gi-Oh! Avec une lune et la fusée de Tintin. Et c'est moi qui joue. Non. Voilà, joue, regardez les cristaux, il y a des pépites de je ne sais pas quoi, c'est... Oh, Floride. Une étoile verte, je la veux. J'ai la tête à l'envers, je vais germer. Oh, tu disparais. J'arrive plus à... Ah, regarde, c'est un bordel. Moins... Et une poubelle un aussi. Un club de bowling. Fais le tour de la planète avant. Oh, une poubelle qui vole. Au revoir, couvercle, je t'aimais bien. Eh, Trophy, j'ai perdu mon chapeau. Rien à foutre de la poubelle. Ah, c'est clair. Oh, attends, il y a un petit lapin qui nous suit. Un lapin astronaute qui vient du Brésil. Mon Dieu, c'est une découverte fantastique. Alors, c'était donc ça. Les Américains n'ont pas été les premiers à visiter la Lune. Ce fut les lapins de l'espace. Je peux rien faire. Oh, bonjour. Oh, putain, c'est qui, lui? Bonjour. Je fais un avec l'avenir. D'accord, c'est bien. On va laisser le putain de hippie ici en train de faire son yoga. Et on va aller dans le bordel. Parce qu'apparemment, c'est de ce dont elle rêve. Bravo, Kimoshi. Bravo. Je veux aller dans la poubelle. Non, tu veux enlever son chapeau, va dans le bordel. Ou au bowling, je ne sais pas. Oh, bonjour. Petite note. Quel est cet endroit? C'est un bar. Bonjour. Bonjour, monsieur robot. Est-ce vraiment toi? Bon, ok, alors... Wow. Mais tu as trop bu. T'as trop bu, t'es encore saoul, ça va. Je t'ai déjà dit d'arrêter de boire. Et voilà, tu t'effondres par terre et t'es sur la route. Ah, je viens de me réveiller. Qu'on est bien ici. C'est bon, t'as des cuvées là? Carrément. On ne sait pas combien. Oh putain, c'est quoi cette fille? Bonjour. Ta tête est vraiment très étrange. On sait même pas combien de camionneurs sont passés sur toi pendant ce temps-là. Je sais pas, je dormais, je m'en fous. Charmant. Non. Suis la route. Suis la boussole. Bah comme ça au moins c'est par là. C'est Sarah l'exploratrice quoi. Y a pas de babouche mais elle a des souliers rouges. Il est où le sac? C'est les aventures trash de Dora, je dirais. Elle va au bar, y'a un robot qui lui verse de l'alcool et elle finit saoule sur le bord de la route. Oui. À suivre des hommes. Bonjour. Blanc. Eh, faut aller un peu plus vite en le jogging, c'est par là. Oh. Fais-moi la maline quand on fait du vrai jogging. Oh, est-ce un rouge à lèvres ou une balle pour se tirer une balle? Fusil, non? Bolette. Vous obtenez une balle. Que fait-elle ici? J'en ai aucune idée. Tu t'es dit... La. Le décor, il a changé d'un coup. Non. D'accord. T'as des illuminations. Des illusions. Gnon. Oui. Oh, regarde, c'est toi. Est-ce que vous allez bien, monsieur? Voilà, c'est bien ce que je me disais, tu t'es fait renverser parce que t'as trop bu. Ou alors t'as carrément eu un accident. Attends, je le raquette. Et c'est toi. Donc t'as traversé le pare-brise carrément. Ou tu t'es pris une balle. Et tu es en train de rêver. De tes derniers instants. Je suis morte. Dis-moi, conscience, est-ce que je suis morte? Oui, t'es morte. Tu devrais peut-être regarder ta boussole. Voilà. Suis la route, ça va. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je veux plus jamais faire ça. Non, plus jamais. Plus jamais tu fais ça. D'accord. Oh, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Un totem. Parle-lui. Bonjour. Bah voici un autre truc. Ça, c'est encore autre chose. Et donc? Bah, je sais pas. On se retrouve. Fais une pause un peu. On se retrouve avec. On a de plus en plus d'objets. On a une casquette, mais on l'a déjà donnée. Ça ne fait aucun sens. On a des graines, on a une carte d'identité floue. Carte d'identité, ça doit être pour. Et un jus de fruit le qui bar. Sent pas bon. Pour le jus de fruit qui sent pas bon, alors là, je n'ai aucune foutue idée, je dois dire. Et toi?
Absolument pas. Et si on donnait le jus de fruit qui pue à la blonde? J'en ai aucune idée. Je sais pas si elle en voudra. Tu veux mon jus de fruit qui pue? J'ai l'impression que ça se déclenche automatiquement. Ouais. Enfin, automatiquement. C'est vrai que t'as rien à donner, mais... Mm-hmm. Suffit de lui parler, j'imagine. Bon, on va voir. Hein. Pas sûr qu'elle en voudra. Mais si. Elle a l'air d'être dans les trucs qui puent. Regarde, un peu. Ça va vite. Ouais, c'est vrai que ça va non, vite. Non, elle en veut pas. Qui veut de mon jus de fruits qui pue? Personne, j'imagine. Mais toi, tu veux de mon jus de fruits qui pue? Ce n'est pas vraiment moi qui le fais. Je ne fais que le revendre. Bah, non, génial. On se disait aussi. C'est ça, je suis sûr, sous son truc en bois, là, il est en train de lâcher des petites gouttes dans ton jus. C'est répugnant, c'est révoltant, c'est repoussant. Et maintenant? Peut-être qu'il faut faire comme la dernière fois, faut arrêter et recommencer. Ce serait bizarre. Ouais. Ce jeu est bizarre, mais quand même. Quel bon programme télé, n'est-ce pas? J'adore. Je préfère regarder ça que Plus belle la vie, n'empêche. Toujours plus haut. Toujours plus haut. Oh! 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 C'est plus bas. Là, c'est plus bas. Peut-être que maintenant, on peut faire quelque chose avec la poubelle. Non, pourquoi? Bon, qui sait. Bon, on a rien gagné de nouveau. Bah attends, fais le tour. C'est perturbant, hein? Oui, tu perds tous tes repères. Non. Par contre, il y a peut-être un... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Là, le fantôme de minuit. Prends cette balle. Tire-toi une balle, tu joues trop mal. Donc elle s'est arrêtée de jouer. Et donc on se retrouve avec le totem. C'est elle qui nous renvoie là. Je n'ai aucune idée. Sommes-nous mortes? Petits hommes. Petits hommes. Est-ce que vous êtes ceux qui me sont passés dessus? Êtes-vous des fantômes? Êtes-vous mes enfants morts? Regarde ta boussole. Ah, elle va me dire le même endroit, je crois. Ouais. Je me demande vraiment à quoi sert la pile, le soleil. C'était revenir à au ta départ. Position de départ, apparemment. Mais c'est quoi la position de départ? Est-ce que c'est un reboot entier? Est-ce qu'on devrait donner le jus qui pue à Slender? Ah bah peut-être. Qui sait? Ça expliquerait pourquoi il est un peu vénère contre nous. C'est vrai que c'était bizarre de se voir mort. Enfin, endormi. Peut-être qu'on est dans le coma. Et qu'on cherche un moyen. Ce jeu s'appelle quand même Sarah en train de rêver, donc j'imagine que soit t'es en train de retracer ta vie ou t'es dans les limbes. Ou t'es juste complètement taré et alcoolique. Bon, je trouve plus notre cadavre. Comment on fait pour aller revoir Slender? Faut retourner dans le magma, retourner dans l'autre. Ah non, il n'y avait pas un raccourci. On avait ouvert une autre porte, non? Qui nous permettait d'aller directement dans le... C'est la porte de cœur. Oui, voilà. La porte de cœur de mon cul, je t'ouvre la clé. Hein? On va retourner chez l'autre pecno. Et on voudra peut-être du jus qui pue. Ouais, peut-être. À la recherche de celui qui veut le jus qui pue. Ce sera déjà le titre de la vidéo, je sens. Génial. Hé, toi, veux-tu mon jus qui pue? Qu'est-ce que tu veux? Ah, tu es déjà perdu? Bah non. En fait, ça servait à rien. Ouais. Bon, bah... Salut, hein. À la prochaine. T'auras pas de jus qui pue. Ça t'apprendra. Ça goin. Non. Et je marche. Et là, je dormais. J'ai cru que t'allais me mettre un doigt dans le nez. Peut-être que la porte des fées est ouverte. Il est où, Slender, encore? Ah il bah. Est par là. Il boit son thé. Je sais pas ce qu'il fait. J'ai déjà oublié ce qu'il disait. Il disait qu'il devait aller travailler. Ah, bah, il lui faut du jus qui pue, alors. Salut, Slender. Ah, Slender n'en a rien à foutre. Ok. On va peut-être voir si la porte est toujours condamnée. Soit ça, soit... Je vois pas. Non. Je te dis, il faut peut-être recommencer. Ouais. C'est marrant comme système de jeu, ça. C'est très étrange, surtout. Je propose que tu prennes la pilule. Pas tout de suite. Tu veux que je la prenne maintenant? Bah, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? C'est vrai, une bonne question. Prends la pilule. Si vous aussi vous voulez voir ce qui se passera dans le prochain épisode quand nous prendrons la pilule... Non. C'est nul.
Donc tu veux vraiment pas le prendre en fait. Tu veux juste monter à l'échelle de façon complètement inutile et... Oui. D'accord. Et redevenir grande. Et tomber. Comme une vieille merde. Ah. C'est pour ça que je fais pas de let's play. J'ai oublié que j'avais plus de parapluie. Pilule. Donc on vient ici. Donc la pilule elle a servi à rien. Tiens, je vais jouer. Non, que je sais plus. Tous les trucs chiants, c'est pour moi, quoi. Mais non. Que nous dit la boussole? Rien du tout. Et Eddie va te faire foutre. Oh! On l'avait pas vu, ça? Non, on n'avait pas été par là. Oh! Un saut de couleur! Non! C'est un truc d'arc-en-ciel! On va enfin chier des arc-en-ciel! Comme une licorne! À quoi ça sert? Vous avez trouvé un seau de peinture! Équipez-le pour changer de couleur! Quoi? Changer de couleur? Oh, regarde, on a changé de couleur! En effet! Oh, j'adore, on est vert! Ça te va bien. À quoi ça sert de changer de couleur? Tu crois vraiment que j'ai une réponse à cette question? On n'a jamais été là non plus, je crois. Non. Ou alors je ne m'abuse? Ça va recommencer à trembler. Non, c'est bloqué. Un nouveau passage! Nous avons donc bien fait d'aller dans cette lave! Et oui! Travail d'équipe! Oui! Merci pour le. Ah là, on revient à. Oh, excuse-moi. Non, j'ai l'habitude. Et j'ai l'habitude aussi. Tu vas le refaire? Bah, je sais pas. Ça veut pas. Bah, c'est normal, ça sert à rien. Oh, wow, wow, wow! Et mon parapluie, mon Mary Poppins. Ce serait complètement farfelu que le blob il nous reconnaisse parce qu'on a changé de couleur, pas vrai? Ah, c'est pas bête! Peut-être que c'est ça? Ce serait complètement con. Et on peut changer encore d'autres couleurs ou pas? Non, je pense pas. Ouais, on change de couleur, mais vaguement. Enfin, ça dépend quand. Ah, bon, on est bien en mauve, non? On est mauve! On est surtout mauvais, si tu veux mon avis. Je me demande à quoi ça sert de changer de couleur. J'en ai aucune idée. Je vois vraiment pas l'intérêt. À part cosmétique, mais bon, ça me paraîtrait trop bizarre. Bah oui. Tout doit avoir une fonction. Mais de là à dire que le blob il te reconnaît parce que t'as changé de couleur, ce serait complètement... Ce serait marrant. Ce serait haut perché. Ce serait farfelu. Blob! Me reconnais-tu dans toute ma grandeur? Non! Tout ça pour rien. À part la bibliothécaire, je vois pas. Bah oui, bah allons voir la bibliothécaire. Hein. C'est la seule qui reste. On a tout essayé. Ah! 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 Ouais, ouais. Oh, tu glisses pas, gnou 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 gnou. Après, je la pète en faisant genre. Bon. Là, je t'ignore totalement. Allons voir la bibliothécaire. C'était. PGM. Et je sens de la jalousie. Hé, hey, toi, putain de vieille moche de merde! Pourquoi tu veux pas mon jus qui pue? Pourquoi personne veut mon jus qui pue dans ce monde de brun? Ah, vas-y, meurs! Ah, tu t'es pris une plateforme. Je suis tellement PGM que j'arrive pas à mourir. Appelle-moi Kaido. Regarde, t'es en vert, là. T'es contente? Oui! J'aime le vert. Tan 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 tan. Tam 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 tam. Elle, on sait toujours pas ce qu'elle veut. Bah non. Ah, blondasse. Ah, regardez cette plante qui tourne sans intérêt. Je t'en foutrais, moi. Les plantes qui tournent. Je vais faire tourner ma bite, on va voir. Si elle reste là, à la fixer. Avec ses yeux de merlan frit. Je fais un avec l'univers. Tu veux mon jus qui pue? Il en veut pas. Prends mon jus qui pue, enculé de schtroumpf. Il vient de méditer avec ses paix dans le ciel. Et toi, le lapin, je peux pas entrer dans cette soucoupe volante? Je peux pas entrer dans la soucoupe volante, évidemment. Pourquoi il y a un drapeau du Brésil ici? Allez, allez, chica, 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 chica! Ah, c'est Rio!
Rio de Janeiro. Wow. Ok. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a une scène de crime. Ah. Et j'imagine qu'il faut que j'aille... dans la maison. Où il y a ces banderoles aussi. Ah ouais, peut-être. Pilule contraceptive! C'est le reproche que je ferai à ce jeu-là, c'est qu'il y a trop d'allers-retours, en fait. Trop d'allers-retours, trop de méli-mélo, trop de confusion. Ouais, bah, je pense qu'il faut vraiment tout explorer et tout chercher. Ouais, mais bon. Ça devient vite chiant, en fait. Au début, c'était linéaire. Avec, en offrant certaines possibilités. Puis c'est devenu, anarchique. Et là, je comprends plus rien. J'imagine qu'il faut aller dans cette porte. Cette porte qui était fermée, maintenant nous révélera peut-être la vérité de cette dame noire au piano qui s'est fait culbuter. Culbuter, carrément. Qui te fait clochette, tu me trottes dans la tête. Si je pète, garde à toi. Non. C'est pas ouvert, putain de merde. Donc apparemment, on doit sauter ici. Pour arriver là. Et trouver cette merde. Ah, fallait le savoir, hein. Fallait le savoir. Et on ne sait pas ce que c'est. Bah non. C'est... une peluche. Ouais. Qu'est-ce que je vais foutre avec une peluche? Il n'y a rien de plus. Et là... à l'étiquette, il y a écrit Blockhead. Ouais. Donc. Premier lieu, on va aller dans l'ascenseur. Mm-hmm. Oh, oh, regarde. Est-ce qu'on y va maintenant? Je sais pas. On y retourne juste après. Ouais. Mais oh. Pourquoi? Ça doit être parce qu'on a la poupée. Ça a débloqué ce truc-là. Ça a dû débloquer quand on a trouvé la poupée. Mais bon, pour trouver la poupée, il fallait le savoir, quoi. Ouais, bah, c'est abusé. Comment fallait passer entre deux plateformes. Fallait tomber là, quoi. Tomber là. Tomber là chez... ah, je peux plus appuyer sur le bouton. Je suis trop petite. Gros yeux! Regarde comme je suis belle et mignonne! Dis-moi que je suis kawaii! Oui! Donc on a un secret ici, regardez! Ah! Des gros yeux! Là, il nous suit les yeux. Je sais pas ce que ça va apporter de plus, mais. Ça doit sans doute avoir une influence. Je te vois! Je te vois! On a un stalker maintenant, j'imagine. Arrête d'être petite! Arrête d'être petite, Sarah! Il suffit! Sois plus grande un peu! Faut grandir! Grandis, Sarah, grandis! Et moi, je vais dans ce monde-là. Le monde du désert. Peut-être qu'on trouvera des choses. Encore. Ah. En fait, c'est cette putain de poupée qui nous permettait d'avoir tout... Tu crois? Je sais pas. Mais c'est bizarre, en tout cas. C'est super bizarre, même. Ouais. Je sais même pas ce que c'est. Je vais me faire toute petite, parce que j'aime. Et le compas, il dit quoi? Ah, il dit d'aller par là. Du coup, je vais dans l'autre sens. Ah, c'était juste un secret, quoi. Je sais pas. Bon, écoute, pilule. Ça a libéré quelque chose? J'en sais rien. Oh, bah. Où est mon... elle était pas là, elle était sur l'autre. Sur l'autre? Je pense. Ah bon? Mm-hmm. Ah ouais. C'est donc là qu'on se réveille. Mm-hmm. L'armoire du temps! Ça fait vraiment Alice au pays des merveilles. Et cette vidéo va s'arrêter, Hydre fidèle. Nous avons assez galéré comme ça. Oh. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un j'aime, mettez un favori, partagez la vidéo. Si vous n'êtes pas encore, devenez une Sarah fidèle. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite de notre let's play Dreaming Sarah. Bonne prochaine vidéo.